Salut cette équipe. Bon voilà, je me rappelle d'une fois où j'avais fait un spectacle d'humour et c'était mal passé. Les gens riaient pas, c'était une catastrophe. C'est comme un cauchemar, tu sais. Il y a un cauchemar et tu t'imagines t'es sur scène, puis c'est nul et puis c'est pas un cauchemar, c'est la vérité. J'en ai parlé à Dieu quoi. J'ai dit, waouh, purée, plus jamais je fais des spectacles d'humour, Seigneur. J'aurais voulu que Dieu me réponde, waouh, c'est pas grave, tranquille. Mais ce qu'il m'a répondu, c'est, si je t'ai demandé de faire ça, c'est que t'en es capable. Je m'attendais pas à cette réponse. Et la première chose, c'est que quand tu fais un truc, essaye de mettre Dieu dans le coup. Ou plutôt, quand lui fait un truc, essaye de te mettre dans son coup. Tu vois la nuance? Quand tu sais que c'est lui, ben c'est trop cool. Et puis aussi, ben, s'il te demande un truc fou, quoi, ben, du coup, c'est que tu peux le faire. C'est génial. Et imagine que tu te plantes. Ben, faut te relever, mec. Il faut te relever. Il faut réessayer. C'est ce que j'ai fait. Je me suis relevé, j'ai recommencé les spectacles et ça a été béni. Il y a eu, je peux pas calculer parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs, mais je sais qu'il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont été touchés par Dieu grâce à ces spectacles d'humour. Donc, dis-toi que un flop peut conduire à un top. Puis c'est pas parce que tu te plantes une fois que c'est mauvais, que c'est foutu. C'est que c'était pas la volonté de Dieu. Le succès d'une entreprise, c'est pas la signature comme quoi c'était de Dieu. Tu sais, il faut voir à long terme. Faut t'accrocher, ça vaut la peine. Voilà.